Voici donc la soundbar Blue Duo avec une vie incroyable, il nous annonce, dans une gamme qui s'appelle donc Hurricane, donc les ouragans. Hein. Donc c'est une soundbar Bluetooth avec deux haut-parleurs donc de 2 x 52 mm, donc 5 cm 20. Une boîte très honnêtement très bien finie, donc ici pour l'accrocher en magasin bien entendu, pour les gens qui en commandent plusieurs. Et vous le voyez qu'en fond ici vous avez donc des petites notes de musique qui volent. C'est très discret, c'est très beau. Donc la soundbar ici est en dessin glacé, donc c'est une très très belle finition cette boîte. Donc pour information, Blue Duo est une marque quand même assez, on va dire, haut de gamme, qui n'est pas au niveau des prix, bien entendu, des Bose et j'en passe et d'autres. Bref, c'est une vraie marque qui fait que des éléments audio orientés, comme je le disais, assez haut de gamme, mais à des prix, bien entendu, en provenance de Chine, donc à des prix... très agressif. Donc rien de particulier sur l'arrière, on vous annonce juste que vous avez sur les côtés donc la prise jack auxiliaire, la prise de recharge, un effet en fait bouton 3D, les boutons volume plus moins, bref, et le bouton mute pour mettre en arrêt, pas en arrêt, mais en silence, en mode silence, donc votre soundbar. Sur le côté, pas grand chose, à part qu'on vous dit ici, voilà, nous sommes dedans, donc une version Bluetooth 4.1, donc elle est toute récente, hein, cette soundbar. En musique, elle tient 5 heures, mais vous allez le voir, elle est costaud. D'ailleurs, ce qu'on va faire tout de suite, c'est vous mesurer son poids. On prend notre balance habituelle et avec la boîte, vous allez voir le poids donc avec la boîte. Voilà, on est à 0,1 kg presque. Donc vous voyez que déjà c'est pas quelque chose de c'est pas une soundbar de rigolo, voilà, clairement. Alors on va la sortir donc de sa boîte, une boîte elle aussi très 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 bien finie, parce que vous voyez donc c'est un couvert qui s'ouvre sur le côté, tout ça c'est costaud, c'est du carton épais. Vous avez une protection donc en plastique ici, donc les boîtes qui permettent de garder précieusement, on le montre, les modes d'emploi. Alors c'est une marque vraiment qui a décidé, hein, qui s'exporte à l'international, donc une doc vous l'avez ici en français, en espagnol, en anglais bien entendu, en chinois, et je crois qu'il y en a une autre quelque part. Donc ça doit être chinois, japonais, voilà, donc et elle existe en français, elle est d'origine et livrée en français, mais ce qui est dommage c'est que ne retrouve pas cette marque dans des boutiques en France, puisque bah, les Français sont quand même très 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 frileux face à ces produits provenance de Chine. Or là ils ont vraiment tort, puisque c'est d'une excellente finition. Donc ils vous fournissent le jack donc stéréo 3.5, l'USB, micro USB donc pour la recharge. Voilà, tout ça dans des petites boîtes très très bien finies, des boîtes d'ailleurs, petites boîtes costauds, et donc la soundbar Blue Duo, voilà, avec son nom imprimé donc sur la grille, les boutons ici sur le dessus que vous retrouvez, donc le bouton marche arrêt ici,
les boutons plus moins, soit pour le volume, soit pour les pistes que vous êtes en train d'écouter, l'effet 3D, le mute, sur le côté gauche ici rien, sur le côté droit donc la prise donc micro USB pour la recharge et le jack 3.5 pour faire un branchement ligne. Et donc vous avez une grille à l'avant et une grille à l'arrière pour la simple et bonne raison, vous les voyez, regardez, on les voit bien. Voilà les deux de 52 mm qui vont vous permettre d'avoir des basses puissantes, un son puissant. On referme la boîte. Voilà. On va remettre tout ça donc dans son couvercle de présentation. Et puis, bah écoutez, on passe en mode allongé et on va vous faire découvrir le son de cette soundbar. Voilà, nous sommes passés en mode allongé. La première chose à faire, bien entendu, c'est de l'allumer. Power on. Elle vous parle en anglais. Très bonne chose, parce que souvent, elle vous parle donc en chinois et on ne comprend pas tout. Donc, on va prendre notre téléphone et on va chercher donc à connecter notre... Je cherche mon menu comme d'habitude. Voilà, on va se mettre en mode Bluetooth. Et on va se mettre en recherche. Alors, on va l'éteindre. Power off. Donc, pour mettre la recherche Bluetooth, on laisse appuyer. Vous allez entendre Power on et on laisse appuyer. Power on. Pairing. Voilà. Et automatiquement, la BS3 apparaît. C'est pas ça que je voulais. Hop. Donc, la BS3 ici. Et la BS3 est connectée. Elle l'a dit. OK. Vous avez bien entendu. Et on va... pardon, on va passer en mode test. Et en mode test, on va passer via, donc, pour ne pas être interdit par nos amis de chez YouTube, on va passer en mode donc SoundCloud avec nos amis partageurs de musique gratuite et on va passer tout de suite, donc je le montre, sur une musique ici en play. Voilà, le son est à ce niveau. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis en pause. On va changer de titre. Pas de panique. Vous avez entendu les basses, on a retourné exprès donc cette soundbar. Donc les basses sortent de l'arrière, vous avez donc tout ce qui est médium et aigu de l'avant, c'est juste un son incroyable. Donc
Je ne suis pas sûr que cela rende, bien qu'on ait un micro puissant sur ce caméscope, notre caméra, mais vraiment le son est incroyable. Donc sans la boîte quand même pour vous remontrer, donc c'était 1,1 kg quasiment hein, avec la boîte, donc sans la boîte, cette soundbar pèse 622 grammes. Très honnêtement, c'est rare une soundbar qui pèse ce poids, surtout en provenance de Chine. Voilà. Souvent, c'est très ordinaire. Celle-ci, elle est équipée en plus d'un socle, vous le voyez, d'une épaisseur. Ouais, on est à 4 mm, presque 5 mm, oui, presque. 5 mm d'épaisseur, on va dire. Donc, elle est très stable. Donc, vous avez des petits ici picots qui rentrent en fait. Donc vous le voyez dans le socle, qui donc épouse parfaitement l'endroit où vous la disposez. C'est une soundbar d'excellente qualité. On va essayer de mettre on va essayer de mettre autre chose pour vous montrer encore la qualité de ce son, à la fois quelque chose de doux. Est-ce que ça c'est doux? Je ne sais pas. Tiens, bah voilà. De la voix, comme ça vous allez pouvoir écouter la qualité. Et on est à fond. Donc, j'ai mis en pause. Je pense que vous avez pas mal entendu quand même la qualité du son de cette Bluedio, donc BS3, je le répète, donc la BS3 de la marque Bluedio. C'est juste une soundbar, très honnêtement, incroyable au niveau son. On vous mettra le lien d'accès sur les boutiques dans nos commentaires. En description, pardon, pas en commentaire, mais en description. Elle est juste incroyable. Et elle fait partie de vraiment de nos coups de cœur, cette Bluedio BS3. Donc, voilà pour la présentation de cette BS3 by Bluedio, avec le son que vous avez entendu, un son juste donc incroyable, avec des basses, puisque vous l'avez vu, le téléphone tourne sur lui-même sur cette soundbar, mais sans aucune saturation, et ça c'est très très important de le noter, aucune saturation sur cette soundbar. Donc voilà, présentation vidéo de cette soundbar Bluedio. Donc n'hésitez pas à nous mettre un pouce vert si cela vous a plu, à nous mettre un commentaire, nous dire ce que vous pensez de cette vidéo et des futurs à venir en termes de tests son. Et écoutez, portez-vous bien et puis à la prochaine. Salut. If you're feeling some way, then